Dans cette émission, tu vas apprendre comment bien préparer ta maison à l'arrivée d'un nouveau chiot. Je vais te montrer comment éduquer et socialiser ton toutou afin de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un chien heureux et bien équilibré. À tantôt!
Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission aujourd'hui. On va parler de l'accueil du chiot. Et avant de commencer, j'aimerais savoir si tu m'entends bien, si le son est bon de ton côté. Donc, je sais que j'ai eu tantôt des likes, là, mais fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît. Juste pour être sûr que tu m'entends bien. En commentaire également, écris-moi pourquoi tu m'écoutes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette émission aujourd'hui? Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux également m'écrire quand même en commentaire. J'aime ça. Oui, donc on fait des cœurs, on fait des likes, yes. Fait que oui, tu peux m'écrire en commentaire pourquoi tu viens me rejoindre aujourd'hui à cette émission-là. Est-ce que tu as un nouveau chiot qui arrive bientôt? Est-ce qu'il est déjà dans ta maison, ce nouveau chiot-là? Dis-moi, écris-moi ça en commentaire. Pour quelle raison es-tu avec moi aujourd'hui? On a un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Nancy, est-ce que ton chien, c'est un bébé ou c'est un adulte? Quel âge ton chien présentement? Donc, écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît, pour être sûr que je vais parler et discuter du sujet d'aujourd'hui. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, je tiens à me présenter. Donc, je suis Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015 maintenant. Donc, on a fondé cette magnifique entreprise, puis on offre une diversification également de services parce qu'on veut que tu obtiennes la plus belle des relations possibles avec ton chien, celle que nous, on a avec notre beau Oreo présentement, que tu as peut-être vu passer à travers notre sphère des réseaux sociaux. J'en parle souvent. Tu vois souvent des images, des vidéos aussi de lui et de nos nombreux clients aussi. Fait que on est persuadé que tu peux obtenir cette belle relation-là avec ton chien. Je t'offre également des émissions comme ça à chaque semaine, à tous les mercredis, sur le comportement du chien et pour que toi aussi, tu aies plein d'outils pour favoriser cette belle relation-là avec ton chien. Good! Fait que on m'écrit déjà en commentaire plein de choses, fait que c'est excellent. La façon que ça va se dérouler aujourd'hui, c'est que oui, je vais te parler de l'accueil du chiot. Oui, je te pose des questions parce que je veux justement savoir comment ça se passe à l'arrivée du chiot. Est-ce que le chiot va faire bientôt partie de ta famille? Pour agrémenter tout ça, donc pour discuter avec toi également des sujets qui sont importants. Et je vais me garder des moments durant l'émission d'aujourd'hui pour répondre à tes questions en direct. Fait que si tu as quand même des questions puis tu m'écoutes en rediffusion, tu peux m'écrire ça en commentaire. Mais si tu m'écoutes en direct, ben, y a toujours un moment dans mon émission d'aujourd'hui que je conserve pour bien répondre à tes questions. Si c'est la première fois que tu m'écoutes également, eh bien, sache que je te réserve un magnifique cadeau à la toute fin. Donc, pour remercier toutes les personnes qui restent avec moi jusqu'à la fin, eh bien, je vais t'offrir un magnifique cadeau gratuit juste pour toi. Donc, je vais aller lire ça un peu. Je pense qu'on m'attend bien. On m'a fait des pouces parfaits. Oh, un petit chiot de 8 semaines, Nancy. Oh, Lynn. OK. Pour en apprendre davantage sur l'arrivée du chiot, excellent. Notre Golden est arrivé il y a 4 jours, mais nous recommençons à travailler dans une semaine. Martine, je planifie adopter un chiot à ma retraite dans environ un an et demi. Wow, Martine! Donc, tu t'y prends au bon moment. Fabienne, avec un chiot de 4 mois, un chiot de 11 semaines, un border collie, je cherche à être le plus outillé possible. Il est génial et vraiment une belle réceptivité. Le défi du moment, les mordiments, lorsqu'il veut jouer et lorsqu'il est contrarié. Je suis ouverte aux conseils. Good! On reçoit notre Golden samedi. Excellent! Fait qu'écoute, je pense que... nous attendons notre beau Golden au mois d'août et je souhaite me préparer le mieux possible pour vivre la plus belle expérience. Écoute, ça c'est vraiment extraordinaire. Fait qu'on a des gens qui ça fait pas longtemps qu'ils ont accueilli un nouveau chiot. On a des gens qui se préparent à l'arrivée du chiot. Fait que c'est magnifique. Je te félicite d'être là aujourd'hui pour obtenir tous mes précieux conseils à cet effet-là.
Je vais avoir un show dans 2 semaines et je me demande comment favoriser la rencontre avec mon chat qui a 6 ans et ses habitudes. Oh, génial! Super! Parfait! Fait que on va traiter de plein de choses aujourd'hui. On va se concentrer vraiment beaucoup sur l'accueil du chiot à la maison. Mais bien entendu, je vais quand même te mentionner certaines choses pour favoriser ce que tu vis présentement avec ton chiot ou ce que tu vas vivre éventuellement avec ton chiot. Puis, ben, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup de contenu pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui. J'ai énormément de contenu sur ma chaîne YouTube. Fait que s'il y a un sujet que je ne traite pas aujourd'hui, eh bien, sache que tu peux assurément retrouver le tout sur ma chaîne YouTube où j'offre également des séances en privé. Donc, à l'instant, avant de commencer dans le vif du sujet et avant de te demander de te présenter à ton tour, eh bien, je vais te passer à l'instant ma capsule pour savoir comment t'abonner à ma chaîne YouTube et ou aller visionner mes autres émissions parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont revenus. Donc, tu sais, je parle du stress relié au départ sur ma chaîne YouTube. Je parle également des mordiments. J'ai fait plus qu'une émission sur le sujet spécifique. Et également, j'ai eu un autre... Oui, l'accueil d'un nouveau chiot dans une maison qui a déjà des chats. J'ai une émission complète sur le sujet. Okay? Donc, à l'instant, je te dis comment faire pour rejoindre ma chaîne YouTube, puis on se retrouve tout juste après pour que tu te présentes à ton tour. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, E-U-X-R-E-K-A, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Mon important momentum. Donc, le son est revenu. Je pense que oui, on a remis le son. Good! Fait que, à ton tour de te présenter, s'il te plaît. Donc, dis-moi de quelle région tu m'écoutes. Là, je sais un peu quelle race de chien partage ta vie et quel âge de ton chien, mais si tu ne me l'as pas écrit encore en commentaire, ben joins à ton commentaire de quelle région tu m'écoutes pour que j'apprenne un petit peu à te connaître. Fait que j'aime toujours ça, savoir les gens de quelle région ils m'écoutent à chaque semaine. On a des gens de partout à travers le monde dans la francophonie. J'ai eu des personnes de l'Europe, des personnes du Canada, des États-Unis. Fait que je suis toujours curieuse de savoir de où tu m'écoutes. Puis ça me... Oh, c'est Yassine Good! Fait que... Puis j'aime ça en même temps voir toutes les personnes que je rejoins grâce à ces fameuses émissions-là. Donc, Montréal, Mauricie, good, excellent. Je pense qu'il y a des gens aussi de Saint-Jérôme. Je ne sais pas si Marie-Ève est là. Oui, je pense que Marie-Ève est là. Good. Fait qu'écris-moi ça en commentaire, Bois-Châtel. Excellent. Écris-moi ça en commentaire. Et justement, dans les commentaires, on t'a également mis le lien vers notre chaîne YouTube pour que tu puisses aller visionner les autres sujets qui t'intéressent et, par la même occasion, t'abonner à ma super chaîne YouTube pour mes nombreuses autres émissions. Je pense qu'on doit être rendu à pas loin de 100 quelques émissions en tout, si c'est pas plus, là, parce qu'on en fait une par semaine. Oui, plus de 100 heures, ouais, effectivement. Mais en tout cas, bref, t'en as pour longtemps à regarder tout ça. J'ai des gens qui m'ont dit en une fin de semaine, j'ai pas pu tout écouter, tu sais. Shawinigan, Québec, Sainte-Adèle, excellent. Donc, il y a du monde de partout à travers le Québec. Good. Fait que je vais survoler beaucoup de choses aujourd'hui. OK, on va se concentrer vraiment beaucoup sur le chien. J'ai une formation aussi dans ma boutique que j'ai, qui est vraiment, vraiment très complète et vraiment très bien faite également. Fait que, tu sais, si tu souhaites préparer encore plus ta maison, donc aller encore plus loin en profondeur de cette belle préparation-là, eh bien, sache que dans ma boutique, j'ai une excellente formation sur le sujet que tu peux te procurer, qui est à 50% de rabais présentement. OK? Fait que peut-être plus pour longtemps, mais elle est à 50% de rabais présentement. Fait que on va te mettre le lien dans la boutique également sous peu. Fait que,
Oui, je pense que oui, peut-être. En tout cas, on validera, mais je suis pas mal sûre qu'elle est encore en rabais. J'ai Victor qui me parle. T'es sûre qu'elle est encore en rabais? Je pense que oui, je pense que oui. Fait que, on y va dans le vif du sujet. Puis, même si je parle, OK, même si je vais discuter de plein de choses avec toi aujourd'hui, tu peux m'écrire en même temps en commentaire parce qu'il y a vraiment un moment où ce que je vais conserver pour répondre à tes questions que tu as. Parce que là, je voyais déjà des choses. Si je veux préparer la maison, mon chou fait de l'anxiété ou je veux prévenir l'anxiété parce que je retourne au travail bientôt. Puis en passant, c'est excellent de prendre des vacances quand on accueille un tout petit chiot à la maison. C'est vraiment génial. Fait qu'on va passer plein de choses, plein de discussions sur le sujet de l'accueil du chiot aujourd'hui. Puis, ben, au fur et à mesure, pose-moi tes questions, puis ça va me faire plaisir de prendre des pauses pour y répondre. Et comme je te disais tantôt, tu restes jusqu'à la toute fin et je vais te donner mon cadeau gratuit pour te remercier de ta présence. Puis je te réserve une autre surprise. C'est vrai, j'ai oublié de te dire, mais je te réserve une autre surprise en même temps quand on va discuter de ton cadeau gratuit. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, ton petit chiot qui va arriver bientôt à la maison ou qui est déjà à la maison, eh bien, sache qu'il n'est pas fait pour rester seul pendant 10 heures par jour. Là, on a mis un 10 heures par jour, mais je pourrais même te dire 8 heures par jour, OK? Parce qu'un petit chiot, sa croissance n'est pas finie, fait que c'est dur pour lui de se retenir, okay, premièrement, pour faire ses besoins, pendant tout ce temps-là. Donc, on ne peut pas lui demander d'être propre durant toutes ces heures-là. Et de restreindre sa cage durant toutes ces heures-là, ça a comme pas de bon sens. C'est pas humain de anatomiquement, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, bref, biologiquement plus. C'est pas réaliste de se dire que ton chien peut se retenir autant de temps seul durant les premiers mois de sa vie, OK? Alors, soit que si t'as pas le choix parce que ton travail fait en sorte que tu vas partir de longues heures, ben soit que tu essaies de trouver quelqu'un qui peut venir le sortir au moins sur l'heure du midi, ou sinon t'organises ta maison pour faire en sorte que oui, ton chien peut peut-être être isolé pour pas avoir accès à la maison au complet, puis là faire vraiment plein de dégâts que tu veux pas. Fait que tu sais, tu peux avoir un espace plus grand qu'une cage restreinte qui à peine s'il peut tourner en rond là, tu sais. Personnellement, j'ai jamais utilisé une cage pour restreindre l'environnement de mon chien. Okay? C'est-à-dire que j'ai pas restreint dans une cage pour lui apprendre à être propre. Okay? J'étais vraiment à l'affût des moments où il avait besoin de sortir. J'étais avec lui, je le sortais souvent. Il s'est échappé, là, comme tous les chiots s'échappent à un moment donné parce que t'es pas attentif à 100%. Mais sa cage a toujours été un enclos. OK? Puis l'enclos, là, c'était vraiment grand. Là. T'sais, il y avait une place pour ses jouets, il y avait une place pour dormir. Ben, ses jouets, c'était plus un petit jouet en caoutchouc puis un boulistique. Une place pour dormir, puis une place pour faire ses besoins. Il a jamais eu besoin de son pipi-pad dans son enclos. Jamais. Jamais, 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 jamais. OK? Mais par contre, j'étais à l'affût. Donc, chaque fois qu'il sillait, qu'il couinait, je me doutais bien que c'est parce qu'il avait envie. Donc, j'étais déjà réveillée ou j'étais déjà proche, puis je l'amenais, puis je le sortais. OK? Je perdais pas mon temps à le cajoler. Là. C'était comme, oui, viens-t'en, 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 puis on s'en va dehors, puis on va faire nos besoins. OK? Fait qu'il s'est échappé le jour pendant qu'il était pas dans son enclos. C'est arrivé. Mais chaque nuit, dans sa cage, il s'est jamais échappé sur son pipi-pad ou ailleurs, dans un autre endroit, OK? Puis, tu sais, je m'assurais toujours de le sécuriser aussi. Je le laissais pas pleurer, je le laissais pas hurler. Fait que j'étais toujours proche de lui. Je le réconfortais, je le flattais, j'y parlais. J'avais mis une robe de chambre dans sa cage. Fait qu'il y avait notre odeur et tout ça. Puis, je savais que quand il se réveillait puis qu'il commençait à se lever, c'était parce qu'il avait envie. Donc, tout ça pour dire que non, je n'ai jamais restreint sa cage pour faire en sorte qu'il devienne propre plus vite. J'ai jamais eu besoin de faire ça, OK? Puis, ça a pris peut-être, je dirais, un 3-4 semaines avant qu'il soit à 85% propre. Puis, peut-être un 2 semaines supplémentaires pour me dire, ben là, il s'échappera plus jamais parce qu'il s'est plus jamais échappé. OK?
OK? Fait qu'en tout, un 6 semaines, il était parfaitement propre. OK? Des fois, Oreo, quand il avait beaucoup de plaisir, il oubliait de demander la porte. OK? Fait que, fallait qu'on prévoie pour lui. Ça a été ça le plus difficile pour lui dans les moments où il était pas dans son enclos. OK? Fait que, puis on avait la chance d'être avec lui. Je travaille à partir de la maison. Fait que, ça, ça l'a aidé vraiment beaucoup aussi pour la propreté. OK? Fait que là, j'ai déjà des questions. Good. Fait que je vais y revenir tantôt. Je vais continuer. Fait que tout ça pour dire que non, ton chiot n'est pas fait pour rester de longues heures seul. Ce n'est pas réaliste de penser que ton chien va être propre, même si tu raccourcis son endroit pour être dans sa cage. Au contraire, il faut que tu lui laisses de la place dans sa cage pour faire ses besoins. Si malheureusement, ton emploi du temps ne te permet pas d'avoir une sortie pour venir lui faire ses besoins sur l'heure du midi ou quelqu'un de proche qui peut prendre le relais pour toi. OK? Pour ceci. On me dit de faire une pause. Ah, je suis redémutée, je parlais, puis on m'entendait pas. Donc, tout ça pour dire que tantôt, on t'a mis beaucoup nos phrases. Vas-y, like, aime et partage. Fait que tu vas voir ça défiler de temps en temps dans ton écran parce que j'aime ça que tu partages. Pourquoi? Parce que c'est un geste gratuit de ta part à toi. Et évidemment, Facebook aime ça, le monde qui partage, donc ça aide à nous faire connaître gratuitement, puis ça aide à rejoindre le plus de personnes des partages organiques comme ça. Fait que, good, merci d'aimer, mais merci aussi de partager. OK? Excellent. Donc, c'était ça la petite pause que je devais prendre pour te jaser. Fait que tu vas voir cette image-là passer par là, une fois de temps en temps, pour t'encourager à partager. Donc, on poursuit. Je sais que mon sujet est super intéressant, mais ça vaut la peine, si t'aimes ça, là, ça vaut la peine de partager à grande échelle. Ton chiot, il a besoin d'explorer, oui, tout à fait. C'est hyper important pour sa socialisation aussi. Donc, il a besoin d'explorer son environnement et il a besoin de le faire de façon adéquate également, OK? Donc, c'est-à-dire que souvent, on entend dire, ben, tu sais, il faut que je le sorte, il faut qu'il voit du monde, il faut qu'il voit d'autres chiens, il faut que je l'amène au parc à chiens, bref, il faut le faire sortir. Oui, et souvent, j'avais tendance à dire oui, mais là, maintenant, je préfère dire oui, et tu te dois de respecter les limites de ton chien pour créer des associations positives. Parce que si tu gardes en tête que faut que ton chien voit plein de choses, puis peut-être que ces plein de choses-là, il n'aura pas nécessairement besoin de revoir ça au fil de sa vie. Ou, au contraire, on va trop vite, c'est-à-dire qu'on veut le surexposer. Le chien est terrorisé, il veut juste retourner à la maison. Puis là, toi, tu te dis, mais non, mais c'est parce qu'on m'a dit que fallait que je socialise mon chiot, fait que moi, il faut que je le sorte. Alors que ton chiot, lui, il veut juste être en sécurité dans l'auto, ou bien non, il veut juste revenir à la maison en sécurité. C'est mieux d'aller à son rythme pour que les associations soient beaucoup plus positives que d'aller trop vite à force de trop vouloir, puis que là, c'est l'inverse qui se produit. Fait qu'au lieu de socialiser ton chien est en train d'avoir peur de plein de choses, puis que tu veux pas parce que on sait que la fenêtre de socialisation se referme quand même aux alentours de 16 semaines, autour de. Fait que c'est quand même hyper important de faire attention à ce type de socialisation-là que tu vas faire avec ton chiot, OK? Fait que oui, il a besoin d'explorer, oui, il a besoin de découvrir, mais commence par ton environnement pour faciliter tout ça, puis après ça, tu pourras élargir cet environnement-là, OK? Mon Dieu, vous êtes donc bien silencieux! J'ai eu un dernier commentaire. J'ai eu un cœur. Good, Martine. Merci pour ton cœur. Ton chiot, il a besoin de jouer, assurément, OK? Il a besoin de jouer parce que c'est comme ça que tu vas favoriser à développer la relation de confiance avec ton chien. Il va vraiment être en mesure de te faire confiance, de te ramener ses choses. Donc, tu l'encourages à ramener ses jouets. Tu t'amuses avec lui. T'essayes de pas le taquiner du tout, OK?
De niaiser, c'était mieux. Tu sais, souvent, je dis taquiner, puis les gens font comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire par taquiner? Ben, je veux pas que tu niaises, je veux pas que tu fasses semblant de. Tu sais, normalement, la relation avec ton chou, ça doit être quelque chose qui est vraiment unique et basé sur la confiance et le respect. Fait que plus tu vas développer cet aspect-là, plus il y a de chances que ton chien devienne confiant envers toi et envers les humains en général par la suite. Okay? Donc oui, ton chiot a besoin de jouer, mais c'est hyper important que ce soit fait de façon adéquate. Là, j'ai pas eu d'autres questions, mais j'ai eu des questions tantôt par rapport à la cage ou l'enclos. Fait que je vais y revenir avant de continuer trop. Donc, on m'a demandé, et pendant le dodo? Donc, pendant le dodo, non, je ne vais pas rapetisser l'endroit pour dormir non plus. Hein, je l'ai dit, il dormait dans un enclos, il y avait une place pour son pipipad, une place pour son os, puis une place pour faire dodo. Fait que j'avais pas restreint son endroit pour la nuit. Je voulais qu'il soit confortable, je voulais qu'il soit bien. Fait que voilà. OK? OK. Virginie qui dit « J'hésite à utiliser seulement l'enclos au lieu de la cage dès le début. Plusieurs me disent d'oublier le projet puisque le chien tentera de passer par-dessus l'enclos. » Virginie, plus tu vas sécuriser ton chiot, plus tu vas réconforter ton chiot, plus l'enclos va être vu comme un endroit plaisant et agréable, moins il va vouloir se sauver de l'enclos. Okay? Fait que les chiots qui veulent se sauver, qui grimpent, là, qui escaladent puis qui passent par-dessus l'enclos, ben effectivement, c'est parce qu'ils ne sont pas confortables à l'intérieur. Moi, j'ai utilisé deux types d'enclos. Le premier enclos que j'ai utilisé, je l'ai utilisé quand je l'ai eu. Puis, je l'ai utilisé jusqu'à temps qu'il y ait à peu près 4 ou 5 mois. Après ça, je l'ai utilisé pour séparer mon salon, pour favoriser la cohabitation avec mes chats. Et je me suis procuré une enclos en tissu, donc avec le dessus fermé, qui s'ouvre. Là, tu sais, je pouvais l'ouvrir aussi ou je pouvais le fermer. Je vais faire une parenthèse tout de suite parce que tout ce que je vais te nommer aujourd'hui comme outil, tu peux retrouver ça sur mon site internet. Et où tu peux retrouver ça sur mon site internet? Eh bien, je vais te le dire à l'instant à quel endroit te rendre pour voir l'enclos que je te parle, l'enclos en métal et l'enclos en tissu. Et je pense même que j'ai eu des questions par rapport à les conseils que j'offre pour les jouets. Fait que je te dis ça à l'instant. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande nous autres comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, E-U-X-R-E-K-A.ca. /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Et voilà, l'onglet ressources, donc tout ce que je te parle aujourd'hui, peut retrouver ça sur notre site internet et commander à partir de notre site également. Donc, j'ai eu des questions concernant la socialisation, fait qu'on va y aller avec ces questions-là aussi, puis après ça, je vais continuer avec mon contenu jusqu'à aujourd'hui. Good! OK, vous conseillez quoi pour la socialisation du chiot pour sa première semaine à la maison? Pas beaucoup de choses, à part les choses dans la maison. Okay? Donc, laisse-lui le temps de se familiariser avec tout ce qu'il y a dans son environnement, particulièrement si tu as d'autres animaux. Donc, tu peux uniquement te servir de ta télévision, de tes articles de cuisine, ta machine à café, de ta machine à extraire le jus. Bref, pense à tous les articles de cuisine que tu pourrais éventuellement utiliser durant sa croissance. Puis commence la socialisation par rapport à ces objets-là. Ça peut être le balai, ça peut être l'aspirateur, ça peut être, bref, plein de choses que tu as dans ta maison, un parapluie, on est l'hiver, une pelle à neige, quoi d'autre que je pourrais penser l'hiver, on a le balai à neige de la voiture, exemple, tu sais, puis tu peux même
favoriser la voiture également pour créer des associations positives. Fait que concentre-toi vraiment sur tout ce qui te vient en tête que tu vas avoir besoin d'utiliser dans ta maison éventuellement. Ça peut être ta vadrouille pour nettoyer le plancher aussi. OK? Plein de choses. On me demande aussi, Virginie, comment reconnaître un chien qui explore de manière trop condensée d'un coup? Non-verbal du chien et ses signaux qu'on peut reconnaître. Virginie, je vais t'en dire des rapides, mais sur mon site internet, j'ai une formation complète sur les signaux et la compréhension du chien, autant envers l'humain qu'envers ses congénères, donc ses chiens. Fait que cette formation-là est ultra complète pour t'aider à mieux comprendre ton chien définitivement. Mais bref, souvent, ce qu'on va apercevoir chez un chiot, tu sais, les premiers jours, les premières semaines, quand c'est trop too much, puis qu'il commence à avoir peur, ben, il va avoir tendance à venir se cacher en arrière, la queue entre les pattes, les oreilles toujours par en arrière, terrorisé, donc trembler un peu. On va essayer de l'appeler, il va refuser d'avancer. Et ça peut être une petite patte qui va lever dans les airs également pour signifier qu'il n'est pas bien, ou il va se coucher puis il va replier ses pattes en dessous de lui puis il va juste observer partout puis tu vas voir des fois le blanc des yeux. Fait que ça peut être des signes. Haleter l'hiver, ça peut arriver, mais si ça arrive, ça veut dire que c'est vraiment en lien avec un stress intense. C'est pas parce que le chiot a chaud. Okay? Fait que c'est important de regarder tout ça. OK? Là, je vous dis vraiment plein de choses, hein, mais bref, prends en note mon site internet, puis après, va naviguer. Donc, prends en note mon programme en ligne dans mon onglet « Programmes et services ». On va te mettre les liens aussi dans ma boutique, ma formation complète pour bien accueillir ton chiot et l'onglet « Ressources » pour acheter tout ce que tu as besoin. Okay? Puis ma chaîne YouTube, bien entendu. OK. Joël qui me demande « Comment on fait pour socialiser avec des chiens adultes sans parc à chiens si on n'a pas de chiens dans notre entourage? On me dit que ce n'est pas bon de laisser rencontrer les autres chiens en laisse. » En effet, Joël, des rencontres en laisse, ce n'est jamais recommandé, ou même très peu, parce que le chien est comme stoppé par ses mouvements, okay, quand il est en laisse. Le parc à chiens, c'est pas idéal. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais quel type de chien peut être dans le parc à chiens, quel type d'humain va être là également. Ce que tu peux peut-être faire, c'est que si ton chiot a tous ses vaccins et que dans le parc à chiens ou qui est proche de chez toi, tu as une section petit chien, tu peux peut-être commencer par la section petit chien quand il n'y a pas plus qu'un à deux chiens dans l'autre parc à chiens, dans la grande surface, pour juste qu'ils s'acclimatent un peu puis qu'ils voient que ces chiens-là ne sont pas nécessairement méchants. On va souhaiter. Sinon, ben, tu peux peut-être voir avec des centres canins de ta région si ils offrent des services de pension pour l'âge de ton chien, pour favoriser. Souvent, ils connaissent bien leur groupe, sont capables d'intégrer des chiots de différentes grandeurs dans des mêmes groupes pour favoriser tout ça. Okay? Puis que tu aies la chance d'avoir une belle socialisation. Ça fait plaisir, Virginie! Excellent. Good! Fait qu'on t'a mis plein de liens. C'est le temps de partager. L'autre bord, Nick. C'est le temps de partager. Et également, on t'a mis tous les liens. Fait que, tu sais, si jamais tes pères t'oublient, tu sais plus, tu peux reculer ma vidéo ou tu peux revérifier dans les commentaires pour aller voir tout ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant. OK? Donc, voilà. J'ai pas eu d'autres questions pour l'instant. Yeah! OK, on y retourne. Fait que oui, ton chiot a besoin de jouer. Dans mon onglet ressources sur mon site internet également, je recommande une panoplie de jouets que j'ai utilisés avec Oreo et que j'utilise encore également. Donc, tu peux voir tout ce que je recommande. J'ai besoin de mâchouiller. Montre-moi ce que tu acceptes. Tantôt, on disait, hey boy, les mordillements, c'est intense. Fait que oui,
Ça fait partie du développement du chiot, hein, les mordillements. On passe tout par là. Il n'y a pas aucun client qui me dit hey, non, moi, Nick, là, la force de mordillement, je ne l'ai pas connue. T'sais. Sauf peut-être, sous exception, les gens qui partagent leur domicile avec d'autres chiens. Parce que souvent, le chiot, ben, il va s'amuser avec l'autre chien. Puis là, ben, ça va être le rôle du plus vieux chien à apprendre au petit chiot que, ouch, ça fait mal quand tu mordis trop fort. Fait que, c'est un peu le plus vieux chien qui est dans la maison qui va écoper de cette séquence de mordillement-là, mais pas toujours. Des fois, ça peut être l'humain parce que notre peau est tellement tendre, c'est tellement facile à mâchouiller. Alors, montre à ton chien qu'est-ce que tu souhaites qu'il mâchouille. Okay? Donc là, s'il prend ta patte de chaise, t'échanges avec quelque chose. S'il te mordit les bras, t'échanges avec un toutou, avec un os, bref, tu te dois absolument de lui offrir une diversification de choses à mâchouiller. Parce que s'il gruche la patte de ta chaise de table qui est en bois, puis qu'en échange, tu lui offres un toutou, ça se peut qu'il n'y ait pas satisfaction, puis qu'il dise « Non, non, moi, ton bois tendre de ta chaise, là, je l'aimais beaucoup. » Fait que le toutou, ça ne me satisfait pas pour l'instant parce que ça fait vraiment beaucoup trop mal, puis j'ai vraiment beaucoup besoin de mastiquer dans quelque chose qui va faire du bien puis qui va diminuer ma douleur. Alors, tu peux peut-être lui procurer un bois de Java à cet effet-là, OK? Ou un bois d'olivier, quelque chose qui va tourner autour de ça pour satisfaire ce besoin-là, OK? Fait que c'est pour ça que je te dis que ça te prend beaucoup de diversification. Un exemple concret, quand Oreo était bébé, il y avait à sa disposition un boulistic, une trachée de bœuf, un jouet en caoutchouc, un toutou, même peut-être plus qu'un toutou, peut-être plus deux toutous. On y avait fait des boîtes à surprises avec des boîtes de carton, des jouets cachés à l'intérieur. Puis on avait, je me souviens pas si on a surprise en cas de besoin. Il y avait le bois de Java, mais il était pas tant grugeux de bois, mais ça y est arrivé une ou deux fois. Mais on avait un os spécial, je pense que c'était la trachée de bœuf. On avait ça là, c'était comme son summum de sa récompense. Fait que quand c'était trop intense puis qu'il y a rien là. Rien qui fonctionnait, mais on avait un os magique que, ben là, si on a tout essayé puis que ça marche pas, voilà. Celui-là, là, ça marche. D'ailleurs, Victor, il a conçu une recette excellente qui a fait fureur, qui a été vue par, je pense, comme 4000 personnes déjà sur notre chaîne YouTube. Fait que délicieuse recette pour ton chien. Des ingrédients vraiment exceptionnels pour que ton chien ait le goût de manger sa trachée de bœuf. L'autre chose qui fonctionne bien aussi, des fois, ça peut être des cubes congelés. Fait que tu peux prendre de l'eau, du bouillon de bœuf, du bouillon de poulet. T'ajoutes des récompenses à l'intérieur, des croquettes à l'intérieur, des fruits à l'intérieur, des légumes à l'intérieur. Fait que, bref, ça peut aider autant pour l'été que quand il y a une grosse rage de mâchouillement. OK? J'ai pas d'autres questions. Excellent. Donc, tantôt, je te disais, il y a besoin d'explorer, mais fais-moi découvrir le monde de façon positive également. Donc, je t'en ai parlé un peu. Tu sais, de façon positive, il faut vraiment que ce soit graduel, puis mets tes efforts en tout premier lieu sur des choses que tu sais qu'il va avoir besoin dans le futur, OK? Fait que maintenant, en commentaire, pour ceux et celles qui ont déjà le chiot à la maison, j'aimerais savoir l'endroit le plus loin que tu es allé avec ton chiot jusqu'à maintenant, au parc à chiens, à clinique vétérinaire, au salon de toilettage, une marche dans ton quartier. Fait que bref, écris-moi en commentaire l'endroit le plus loin où tu es allé à ton chien. Ça peut même être une randonnée d'auto. Écris-moi ça en commentaire, puis dis-moi en même temps si tu penses que ça a bien été, que t'es pas sûr ou que ça a pas bien été. Avec ce que je te dis, ce que je t'ai dit, tu as vraiment l'impression que ça a pas bien été. Ou au contraire, ça a vraiment bien été puis t'es vraiment content, contente de ça. Fait que écris-moi en commentaire le plus loin que t'es allé avec ton chiot jusqu'à maintenant pour ceux qui ont déjà leur chiot, bien entendu. OK? On me demande... je vais revenir parce que je veux lire les commentaires en lien avec ça. Quel type de bois pouvons-nous donner une fois que le chiot a toutes ses dents d'adulte? Je vois toutes sortes de bois avec une dureté dont je doute la sécurité pour les dents d'un chien. En fait, tu peux donner bois de Java, bois d'olivier, un peu comme ce que je disais. Bois de serre, c'est dur.
ceux coupés en deux, même, je suis pas super confiante de ceux-là parce que j'ai toujours peur qu'ils se défassent en éclats puis que là, ça fasse des problèmes digestifs. J'ai un bois de serre pour mon chien, mais il est entier. Okay? C'est pas toujours son préféré, mais des fois, il va le prendre puis il va le gruger un peu. Mais son bois de Java, là... Son bois de Java, j'ai comme l'impression d'avoir un castor chez nous, tu sais. Il est rendu en pointe alors qu'avant, il était rond. Puis l'autre aussi, l'autre extrémité. Fait qu'il adore ce bois-là. J'en ai un à chaque étage. Puis des fois, l'été, je laisse dehors. Fait que le bois de Java, je l'aime extrêmement beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis mon chien, quand il était jeune, là, c'était un accro aux branches de tout. Fait que voilà. Fait que présentement, il a comme l'air de... On dirait que j'ai un petit castor à la maison. Donc, voilà. Fait que j'affectionne vraiment beaucoup le bois de Java. OK. Donc là, j'ai eu une réponse jusqu'à maintenant dans ma cour, mais lorsqu'elle entend un chien japper, elle vient se cacher entre mes jambes. Oh, Nancy! Alors, ce que tu pourrais, pourquoi je demandais ça, c'était justement pour donner des trucs concrets. Fait que si tu veux me mentionner également en commentaire, toi aussi. Donc, ce que tu pourrais faire, Nancy, c'est utiliser ta télévision, mettre des films de chiens, puis, par la même occasion, créer des associations positives. Donc, tu peux commencer au plus bas volume, puis quand ton chien entend des chiens japper à la télévision, puis qu'il fait comme « Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Donc, en mode curiosité, plutôt que « Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais aller me cacher », ben, tu peux féliciter ton chien. Tu peux lui donner une petite croquette, tu peux lui donner une petite récompense, tu peux le cajoler, lui dire « Oh, bravo, mon petit chien! » Oh, puis là, je vais vous montrer bébé Oreo qui est allé faire des dodos. Loulou. Il a gardé un œil ouvert pour me checker et dire « T'as-tu besoin de moi? » Mais non, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Donc, pour aider à favoriser puis à créer des associations positives, ben, tu peux te servir de ta télévision pour mettre des films de chiens, des documentaires, puis on commence au plus beau volume, juste pour que le chien commence un peu à s'habituer pour qu'une fois rendu à l'extérieur, ça soit beaucoup moins stressant pour ton chien. OK? Je sais qu'Oreo est adorable, Virginie! Fait que là, pour les personnes qui partagent leur vie avec un petit chiot présentement, dis-moi ça en commentaire. Jusque où t'es allée, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'as observé. Ça va me faire plaisir, si tu veux, d'en discuter avec toi à l'instant. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par « Fais-moi découvrir le monde de façon positive ». On a eu un excellent exemple d'un chien qui a peur des chiens qui aboient. Alors ce qu'on peut utiliser, c'est la télévision avec des films de chiens au plus bas volume, on augmente graduellement. Là, bien sûr, je te demande pas de mettre ta TV au maximum, là, t'sais, c'est juste normalement, pour continuer à créer des associations positives avec ton petit chiot. Prépare ta maison. Pourquoi je veux que tu prépares ta maison, particulièrement si tu as d'autres animaux qui partagent ta vie présentement? Tantôt, j'ai du monde qui m'ont dit « J'ai un chat, j'aimerais ça que ça se passe vraiment bien avec mon chat qui est présentement à la maison. » Fait que oui, préparer ta maison, ça va aider tes autres animaux à se familiariser un peu avec l'environnement qui va changer tranquillement. Okay? Donc, tu peux commencer quelques semaines... quelques jours avant, mais bref, si tu connais déjà la date, tu peux déjà commencer quelques semaines avant, OK? Donc, tu installes la cage, le coussin, les bols, les jouets, etc. Et dans la formation vraiment complète, je vais vraiment plus loin dans mes recommandations et je parle vraiment de ton environnement complet. Maintenant, ce qu'il faut aussi que tu retiennes, c'est que c'est bien de penser sécurité aussi. Parce que un chiot, ça explore énormément avec sa gueule. Fait que oui, ça se peut qu'il te morde partout, mais également, ça se peut qu'il prenne plein d'affaires dans sa gueule puis qu'il parte avec des choses qu'il n'a peut-être pas d'affaires à partir avec dans sa petite gueule. Fait que pense aussi à la sécurité. Fait que tout l'environnement sécurité aussi, j'en parle également dans ma formation que tu peux retrouver dans ma boutique. Fait que bref, tu sais, quand je te dis prépare ta maison, faut que tu penses à beaucoup de choses. Puis ensuite de ça, quand tu veux inclure la socialisation, eh bien là, faut que ça aille à petite dose. OK? Donc, faut pas que ce soit vraiment... quelque chose que tu vas faire rapidement. Par exemple, le chiot, il arrive, puis le lendemain, tu sors tout aspirateur, vadrouille, balai. Puis...
on n'en est pas là. Fait que vas-y vraiment après, graduellement, avec ta socialisation. Mais pense vraiment dans ta tête à sécurité pour bien préparer ta maison. Pense aux animaux qui sont déjà dans ta maison depuis quelques années, quelques mois également. Donc, de bien préparer l'environnement, ça va aider ton chien à se dire « Oh! Il y a quelque chose qui se prépare, il y a des changements ici autour. » Fait que pour les gens qui ont déjà des chats à la maison, je sais pas si quand tu déplaces des choses déjà dans ta maison, donc quand tu fais des changements de meubles, etc., si ton chat va déjà avoir tendance à dire que, ben là, je dis dire, il va pas dire dire, là, mais il va te démontrer par certains comportements. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me demande qu'est-ce que tu fais. Mon odeur va changer. T'ajoutes des nouvelles choses. C'est quoi ça? Fait que des fois, ça peut créer un petit stress de la part des animaux ou peut-être un très grand stress aussi, tout dépendant de la capacité de ton animal à gérer ces changements-là. Fait que, tu sais, moi, par expérience, j'ai trois chats. Ce ne sont pas tous les mêmes qui vont réagir pareil. Mais petit Jupiter, quand on fait des changements dans l'environnement, ça ne lui plaît pas tant, je pense, parce qu'il vocalise beaucoup plus que normalement. Okay? Fait qu'on sait que quand on déplace quelque chose, pour lui, ça vient perturber ses points de repère, si on veut un peu, bien qu'il ait tendance à changer selon les saisons aussi. Quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas dans sa routine normale, ça le stresse. Okay? Fait que l'arrivée d'un nouvel animal, ça peut stresser les animaux qui sont déjà dans la maison. Fait que préparer ta maison va grandement les aider à vivre ce changement-là avant qu'il y ait une petite boule de poils toute belle qui arrive dans ta maison. OK? Good! Voilà. C'est encore le temps de partager. Gang! Vous êtes nombreux, nombreuses. Fait que partagez et merci pour ceux et celles que c'est déjà fait. Donc, c'est la flèche en bas à gauche de ton écran, je pense. En tout cas, tout dépendant dans quelle angle que tu m'écoutes. Voilà pour préparer ta maison. Maintenant, la plus importante des consignes que je me dois de te donner, c'est le sommeil. Okay? Ton chiot a besoin d'énormément de sommeil pour récupérer, assimiler tout ce qu'il a vécu dans sa journée, assimiler tous les apprentissages que tu fais avec lui. Alors, tes périodes d'éducation que tu vas faire avec ton chiot, ben oui, comme Oreo présentement, fait que toutes les périodes d'éducation que tu vas faire avec ton chiot se doit d'être très courte, avec le moins de distractions possible, parce qu'il est en apprentissage, ton chiot, OK? Il a besoin d'être attentif à toi, de comprendre qu'est-ce que t'attends de lui. Donc, une attention particulière à toi de courtes séances suivies d'un sommeil, OK? C'est la même chose pour les exercices. T'sais, un chiot, tu vas pas l'amener vraiment à l'extrémité puis dire « Ah, mais oui, mais on m'a dit qu'un border collie, c'était super actif, fait que moi, je vais marcher 4 fois par jour pendant une demi-heure avec lui, t'sais, alors qu'il y a 4 mois, peut-être. » C'est vraiment trop. C'est vraiment beaucoup trop. Fait que pour éviter d'avoir un chien calme dans la maison... Pour favoriser le fait d'avoir un chien calme dans la maison, comme petit Oreo que t'as vu tantôt, c'est hyper important de respecter son sommeil. Quand il était jeune, le sommeil lui était quand même imposé. C'est-à-dire que je m'assurais qu'il dorme suffisamment quand il était jeune parce que il y avait beaucoup de stimulation dans la maison. Okay? Il y avait 2 humains 24 sur 24 avec lui. Il y avait 3 chats qui partageaient sa vie. Fait que, tu sais, c'était une vie enrichissante pour lui. Donc, pour qu'il récupère bien puis qu'on se retrouve pas avec un chien qui va être... toujours surstimulé dans l'excessivité dans plein de choses, bien, on s'assurait qu'il ait un bon sommeil. Donc, la cage, l'enclos, autant en métal qu'en tissu, elle a été installée toujours dans la chambre, dans le fond complètement de la maison pour favoriser le calme. On fermait même les rideaux des fois pour favoriser qu'il fasse noir. Donc, c'était la chambre à coucher dans le fond complètement. Il dormait avec nous aussi, également la nuit. Fait que, on voulait pas que la cage soit mise en plein milieu d'une pièce où ce qu'on bouge, il y a du va-et-vient et tout ça, parce qu'il avait besoin d'un bon sommeil pour récupérer, pas d'un sommeil léger, OK?
OK? Fait que l'emplacement de ta cage, tu sais, tantôt, là, j'étais allée vite sur la préparation de ta maison, là, mais l'emplacement de ton enclos ou de ta cage est vraiment ultra important. Quand Rio est arrivé à la maison, on avait une couverture dans la chambre à coucher dans son enclos. Il y avait un lit avec lui dans le salon. Et il y avait-tu un lit supplémentaire à quelque part? Non. Ben oui, en dessous du lit, ça, c'était sa place de prédilection. Il aimait ça, être en dessous de quelque chose. Fait que, des fois, on n'avait même pas besoin de la porter dans son enclos. On essayait de voir, tu sais, tu vas-tu toffer? T'es-tu vraiment fatigué? Puis là, quand on écoutait un film, puis qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit, puis que ça devenait trop sensible, puis qu'il voulait vraiment un bon sommeil, il se levait, puis il partait directement, puis il allait se coucher en dessous de la base de lit. Jusqu'à temps qu'ils grandissent puis qu'on change de base de lit pour notre petit toutou. Puis là, ben, il continue à aller dormir en dessous du lit. Mais, rendu à l'adolescence, lui-même, ben, en fait, il fut un moment où il partait à se coucher lui-même. Donc, on s'est dit, bon, ben, on n'a plus vraiment besoin de la cage parce qu'il part lui-même aller faire dodo. Puis, il allait au sous-sol. Fait qu'on y a installé un lit au sous-sol. Puis, quand il y a vraiment trop de distractions en haut, un film qui joue, des chats qui s'amusent, puis que lui, il a vraiment le goût de se reposer par lui-même, on lui a tellement imposé ce besoin de sommeil-là qu'il se lève, puis qu'il descend en bas, puis qu'il va dormir au sol par lui-même. Puis il se relève quand il a envie ou quand il a faim ou quand il veut venir nous voir. Fait que plus tu vas encadrer le sommeil chez ton chiot, plus tu vas le préparer à avoir une belle maturité, puis à avoir un chien qui va être calme et qui va assimiler tout ce que tu vas lui apprendre. Parce que si tu essaies de lui apprendre des choses, puis que ton chien dort pas suffisamment, c'est comme si tu y apprenais des choses dans le beurre parce qu'il n'y a pas le temps d'assimiler. Ça bouille dans ce cerveau-là quand ça fait dodo. Et tu vas te retrouver avec un chien qui va avoir des problèmes de comportement plus tard. Fait que ça là, prend 2 heures pour une neurone à se former. Ça prend 2 heures pour une neurone à se former. Fait que pense-y, quand il fait dodo, combien d'heures de sommeil il a besoin. OK? Fait que juste, tu sais, grosso modo, là, quand Rio il est arrivé à la maison, jusqu'à qui est au moins 4 mois et demi, là, il a dormi au moins 18 heures par jour. Au moins 18 heures par jour. Fait que quand même. Puis après, bon, on a continué, tu sais, on regardait, ça allait peut-être autour de 17, 16 heures, puis ça s'est maintenu comme ça jusqu'à ses 1 an. Là, jusqu'à ses 1 an, ça l'a baissé autour de 12 à 15 heures selon les activités qu'on fait avec lui durant la journée. J'ai eu des questions. Merci, gang, pour les partages! Vous êtes extraordinaire! OK, good. Alors, j'ai une question ici. Pour la préparation de l'environnement, est-ce une mauvaise chose de mettre leur espace principal sur un étage chacun? Donc, le chiot au rez-de-chaussée, car ne peut pas monter les marches, et chat au deuxième étage. Ça évite en quelque sorte les contacts entre chiot et chat, et j'hésite à mettre, par exemple, la nourriture des chats au rez-de-chaussée pour les amener à plus de cohabitation entre les deux parties. Virginie, c'est une excellente question. Je t'invite fortement à l'écouter mon émission complète, OK, sur la cohabitation entre chien et chat sur ma chaîne YouTube. Mais personnellement, mes chats aiment vraiment beaucoup vivre avec nous autres, OK? Ils ont un lien fort, eux autres aussi, avec l'humain. Fait que le seul endroit... C'est sûr que là, ma maison, elle a 2 étages, elle n'a pas 3 étages. Fait que le seul endroit où mon chien n'avait pas le droit d'aller jusqu'à ses 1 an et demi, c'est le sous-sol. Un, pour son développement, parce que je voulais pas qu'il y ait de problème au niveau de ses hanches. Et deux, c'est l'endroit où la litière se trouve. Et donc, ça me tentait pas qu'il aille niaiser dans la litière des chats. Puis là, ben après ça, quand on a enlevé la barrière en haut, on a juste mis une barrière dans la pièce où mes chats vont faire leurs besoins. La nourriture est au rez-de-chaussée avec nous et est en hauteur. Donc, on a plusieurs arbres à chats dans la maison. On en a 1, 2, 3, 4. On en a 4, 2 dans la cuisine, 2 dans le salon, les pièces où on est le plus souvent, et la nourriture de nos chats est toujours en hauteur. Fait que nos chats, là, ils ont beaucoup d'échappatoires si jamais ils se sentent en danger. Et j'ai également utilisé un enclos pour séparer le salon en deux. Donc, petit chien, t'as accès à ici et nos chats ont accès à l'autre côté. Fait que quand t'es trop rock'n'roll, on va te gérer, nos chats vont être en sécurité, puis on va t'apprendre à être calme en présence des chats. OK? J'espère que ça t'éclaircit un petit peu. Marika qui me demande combien de temps de marche vous recommandez pour un chiot de 2 mois?
maximum 10 à 15 minutes maximum. Et les activités chez le chien, les activités physiques chez le chien, j'ai fait une excellente émission sur le sujet sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver également. Il y a toutes les tranches d'âge. Fait que je pars de l'adoption, donc de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et plus. Fait que je t'explique ça tout en détail. C'est un peu comme là, fait que t'as un contenu visuel également qui va t'aider à prendre des notes pour plus tard en même temps. Fait que je pense que ça pourrait assurément t'aider, Marika, pour avoir vraiment un bon visuel sur le développement de ton chiot et les activités à faire avec. Good. Good, good, good. Voilà. Fait que pour le sommeil, là, tu retiens que c'est absolument, absolument indispensable qu'il y ait un excellent sommeil dans une pièce où il n'y a pas de va-et-vient du tout. Si ton chiot apprend à être confortable dans sa cage, que tu sois là, que tu sois pas là, le sommeil va être adéquat et réparateur. Fait que l'intégration à cette cage-là, l'intégration à cet enclos-là, j'en parle de façon plus approfondie dans ma formation complète que je te parlais tantôt dans ma boutique, parce que oui, c'est un bel apprentissage, la cage. Oui, c'est un outil indispensable quand le chiot est jeune. Ici, on le fait d'une belle façon. Le chiot va être en mesure de bien se reposer. Qui tantôt m'a parlé de l'anxiété? Nancy, que tu m'as parlé de l'anxiété. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une émission complète sur le stress, prévenir le stress relié au départ chez le chien. Je pense que ça pourrait beaucoup t'outiller pour bien préparer ton chiot avant de quitter la maison pour un retour au travail. Et je souhaite de tout cœur que tu puisses revenir sur l'heure du midi ou que tu peux avoir quelqu'un qui va pouvoir venir s'occuper de ton petit chiot sur l'heure du midi pour lui offrir cette sortie nécessaire pour couper un peu ta journée en deux. Fait que, bref, tu peux faire les deux, là. Tu peux écouter cette émission-là qui est sur ma chaîne YouTube et tu peux te procurer ma formation complète sur ma boutique en ligne. Okay? Fait que ça, c'est une formation autodidacte. C'est moi qui la donne, mais c'est déjà prévu, yes. Mais c'est pas du privé. Okay? C'est pas comme une rencontre en privé avec moi. Si tu as besoin de mon support en privé, ben là, oui, je vais t'expliquer tantôt comment faire pour me rejoindre. Mais le reste que je te parle, c'est de façon autodidacte. Fait que merci, gang! C'est encore le temps de faire des beaux partages. C'est encore le temps... voilà. Fait que c'est encore le temps d'aimer, de faire un cœur et de partager. Je t'ai donné vraiment beaucoup de contenu jusqu'à maintenant, donc j'espère fortement que tu as apprécié ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Ça passe tellement vite avec tout le monde. Des fois, j'ai l'impression que je parlerai encore pendant des heures, tellement j'aurais plein de choses à dire. Fait que, bref, je trouve ça extraordinaire que tu aies été là encore avec moi. Jusque-là, hey, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, c'est extraordinaire. Fait que là, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la toute fin, oh, mon petit coco, il rêve. Puis là, ça me fait penser qu'il faut que j'y fasse une petite taille de dessous de patte. Bref, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la toute fin, je te donne mon cadeau gratuit. Alors, comment faire pour te procurer mon cadeau gratuit? Eh bien, je vais te dire ça à l'instant. Donc là, j'ai besoin de m'installer ici. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, E-U-X-R-E-K-A.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas, qui est cette fenêtre-là. Okay? Tu inscris ton nom, ton nom de famille et ton adresse courriel pour recevoir mon guide « Tout sur le chien ». Dans ce guide-là, tu vas voir vraiment beaucoup de choses, dont... l'adaptation du chien, comment ça prend de temps pour que le chien, le chiot, se sente parfaitement à l'aise dans sa nouvelle demeure, les facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, les facteurs qui vont influencer le comportement de ton chien, la façon dont la peur s'acquiert chez le chien. Je trouvais ça important de le mentionner parce qu'il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Comment apprendre un nouveau comportement, comment modifier un comportement chez un chien et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété chez le chien. Donc, super simple, tu te rends directement sur mon site internet, t'inscris tes informations, tu vas recevoir un courriel après, dans ta boîte de réception ou dans tes courriels indésirables, tu vérifies les deux, pour télécharger ce super guide-là, tout sur le chien. En restant abonné à mon site internet,
Tu vas être tenu au courant de toutes les nouveautés qui s'en viennent et je vais bientôt avoir un nouveau guide pour bien accueillir ton chiot qui s'en vient très bientôt. Fait qu'en restant abonné, tu vas avoir accès à ce guide-là vraiment super. On travaille fort là-dessus parce qu'on trouve vraiment ça primordial que tu puisses l'obtenir vraiment très bientôt. Fait que tout va transiger par le biais de notre site internet. Fait qu'en restant abonné à notre site, tu vas recevoir en primeur ce nouveau guide-là qui s'en vient sous peu. Mais pour ça, il faut vraiment que tu t'abonnes via mon site internet en remplissant tout ça. OK? Donc, voilà. Je t'ai dit, j'en donnerai plein d'informations aujourd'hui, hein? C'est incroyable. Donc, j'ai eu une autre question. Des conseils pour la cohabitation avec de jeunes enfants. Oh oui, Joël. Mon premier conseil primordial, la gestion de ton environnement va te sauver énormément, énormément de mots qui vont sortir de ta bouche pour gérer tout ça. OK? Gestion d'environnement, donc barrière, enclos, séparation de pièces. Parce que il peut arriver à un certain moment donné où ce que le chiot bang tout d'un coup, j'ai donc bien le goût de mordiller parce que j'ai donc bien mal aux dents, parce que mes dents là, sont à veille de tomber puis ça me fait mal au bout. Alors, petit humain qui marche tout près de moi et qui s'excite et qui a beaucoup de plaisir, toi, j'aime vraiment beaucoup ta peau, fait que je pense que je vais te croquer un mollet aujourd'hui. Puis là, ben la jeune enfant, elle fait petit chien, mon mordu, ça fait mal! Fait que pour t'éviter des moments comme ça, de séparer ta pièce en deux, donc de laisser ton petit chiot gruger son os tranquille pendant que les enfants s'amusent dans la cuisine, exemple, ça va te sauver beaucoup de mots qui ne s'attendent pas, qui sortent de ta bouche dans des moments comme ça. Alors, la gestion de ton environnement sera ton allié numéro un. OK? L'éducation des enfants aussi en présence du chiot, leur apprendre comment être doux avec le chien, oui, mais comment lui apprendre des choses, tu sais. Si l'enfant veut participer, je trouve, Joël, hein? Si l'enfant veut participer à l'éducation parce qu'il a peut-être l'âge puis ça y tente, ben écoute, ça c'est vraiment merveilleux, mais encore une fois, j'aime vraiment beaucoup l'utilisation de la barrière et de l'enclos parce que le chien peut voir à travers. Puis, ben, il n'y a pas de risque qu'il va sauter sur l'enfant. Fait que plus tu vas prévenir ça, puis travailler de l'autre côté de cette barrière-là pour que l'enfant puisse entraîner le chiot, puis éventuellement, ça sera facile d'enlever cette barrière visuelle-là et physique-là pour que le chiot soit en mesure de reproduire les bons comportements. Okay? Et je préfère toujours la barrière à la laisse parce que malheureusement, quand on met la laisse, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de tirer sa laisse pour pas que le chien saute, c'est de mettre le pied sur la laisse. Puis, un petit peu de misère avec la laisse, là, c'est toujours censé être le fun. Fait que quand c'est associé à quelque chose de pas le fun, et que j'aime moins ça. Okay? Puis quand je dis moins fun, ben, c'est de mettre une tension sur la laisse, puis le chien recule parce qu'il faut pas qu'il saute. Alors que, tu sais, à travailler avec une barrière, c'est beaucoup plus. Non, c'est ça, il comprend pas. Il fait juste comme une association, et quand j'ai une laisse, on me tire après. Voilà. OK. Donc, j'ai d'autres questions. Combien de périodes de sommeil un chiot a besoin dans sa journée et combien de longues chacune de ses périodes de repos? Merci. Ça dépend beaucoup de l'âge de ton chiot. En moyenne, un chiot a besoin de dormir 18 à 20 heures. Donc là, je te parle peut-être d'un chiot qui va être autour de 8 semaines. Okay? Donc, 18 à 20 heures. Plus tu vas aller en augmentant dans ses semaines, son âge, etc., ben, plus le chiot va avoir moins besoin, plus il va avoir moins besoin. En tout cas, bref, il va dormir moins longtemps. C'est ça que je veux dire. Alors, la nuit, là, pour un chiot, ça peut représenter peut-être des sommeils entrecoupés d'à peu près... Attends un petit peu, je reviens en arrière. Donc, environ 4-5 heures. OK? Là, les premières semaines, donc 8 semaines jusqu'à à peu près 10 semaines, ça se peut qu'il te demande la porte plus souvent durant la nuit. Pas nécessairement tout le temps, mais peut-être que oui. Fait que, tu sais, souvent, ça va être comme des périodes de sommeil de 3-4 heures. Oups, on réveille pour aller faire pipi.
revient, petite période de jeu, petite période de mordiment intense. Oups, j'ai envie de caca, on ressort, un autre besoin. Reviens à l'intérieur, mange, grignote, bois de l'eau, petite période de jeu. Puis là, oups, faut que je retourne faire pipi, donc un petit pipi. Puis là, ça, il revient, puis là, puis que bah, faut qu'il dorme. Un autre 3-4 heures, OK? Donc, ça va vraiment être parsemé de tout ça dans la journée, tu sais. C'est comme un petit 2, 3, 4 heures, sortie, jeu, éducation, mâchouiller, etc. On ressort dehors à travers tout ça, parce que le show, ça se peut qu'il sorte vraiment souvent durant ces périodes d'éveil. Puis après ça, ben, il revient pour faire un autre dodo. Fait que plus ça va aller, plus il va dormir peut-être longtemps. C'est-à-dire que peut-être que là, sa nuit, ça va devenir un 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de sommeil durant la nuit. Tandis que le jour, ça va être des plus petites périodes. Tu sais, ça peut être des plus petites périodes. Ça peut arriver que ce soit une heure. Des fois, ça va peut-être être deux heures. Tu sais, je me réfère beaucoup à Oreo, là, depuis ses un an et demi à peu près, je dirais. Il y a des moments où il y a vraiment besoin de dormir plus longtemps. Fait que, tu sais, souvent en soirée, là, parce qu'on est là le jour, parce qu'on a la chance d'être avec lui le jour, pour lui, la soirée, c'est vraiment synonyme de repos calme. Fait qu'il va dormir peut-être deux heures en ligne, il va se réveiller, il va aller faire ses besoins, il va manger, il va se retourner se coucher pour sa nuit au complet. Tandis que l'après-midi, il est réveillé toute l'après-midi, il va somnoler un peu, demi-heure, 45 minutes, puis après ça, il va être prêt à faire d'autres choses, puis l'avant-midi, il va la dormir pendant un bon 2-3 heures d'affilée. Fait que, tu sais, ça va varier vraiment beaucoup, mais définitivement, un bon 2-3 heures d'affilée, et peut-être même plus quand il est jeune. OK? J'espère que ça a bien répondu. Nathalie, est-ce que je devrais séparer mon chiot adulte, mon chien adulte et mon chiot quand je dois quitter la maison? Excellente question, Nathalie. Comment ça se passe quand t'es là? Comment ça va, les interactions et tout ça? Je sais pas non plus, ça fait combien de temps ton chiot est à la maison, mais tu sais, honnêtement, personnellement, ça a pris jusqu'à temps qu'Oreo ait un an. Oh, 18 mois. À partir. Attends un peu. 15 mois. 15 mois, là, autour de 15 mois, OK? J'ai commencé à le laisser libre dans la maison quand on n'était pas là en présence des chats. Avant ça, c'était no, no, no. Tu vas encore dans ta cage quand on quitte parce que je n'avais pas pleinement confiance. Il aimait vraiment beaucoup s'amuser. Il ne connaissait pas tant sa force, je dirais, si je peux dire ça comme ça. Fait que, tu sais, il était. C'était comme c'était un petit chien, là. Tu sais, pour lui, il donnait des petits coups de nez, puis des coups de patte, puis. C'était intense, tu sais. Fait qu'il. Donc, il connaissait pas toute sa force encore. Fait que, on s'est assuré de travailler ces états calmes-là en présence des chats, qu'ils soient en mesure de bien faire des appels au jeu aux chats aussi également. Fait que là, après ça, on s'est rendu compte que là, bon, la cohabitation va bien, ça va bien. Fait qu'autour de 14-15 mois, il a pu être en liberté. Ah ouais, ton chiot est là depuis 2 semaines. Alors non, définitivement pas. C'est soit que le chien adulte, je sais pas trop ta gestion, si c'est le chien adulte qui va en cage ou les deux ou le chiot. Mais bref, oui, définitivement, je mettrais le chiot en cage. Dans une pièce à part, tu sais, tantôt je te parlais de la chambre, ben même quand on partait, le chiot était dans la chambre, la même affaire. OK? Fait que toujours dans ces endroits-là, à ce moment-là. Good! Fait que là, je t'ai donné vraiment beaucoup de contenu. T'as beaucoup de travail à faire de ton côté si tu veux en apprendre davantage. Donc, ma chaîne YouTube, ma boutique pour la formation complète, mon onglet ressources pour commander tout ce que t'as besoin et mon site internet pour recevoir ton guide tout sur le chien et bientôt, mon guide complet pour bien accueillir ton chiot. Donc, merci d'avoir été en grand nombre jusqu'à la toute fin. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci pour tes partages. C'est encore le temps de le faire si tu le souhaites. Si tu as apprécié mon contenu jusqu'à maintenant et que tu penses que ça va servir à quelqu'un de ton entourage ou dans tes réseaux sociaux, c'est grandement apprécié. Et nous, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Même heure, même jour, même poste. Et si tu as besoin de mes services en privé, si tu as besoin d'une consultation avec moi parce que il y a des difficultés que tu rencontres avec ton chiot jusqu'à maintenant ou tu veux aller plus loin dans ta prévention, eh bien, je vais te mentionner dans quelques instants comment faire pour communiquer avec moi.
puis même être proactif dans l'éducation de ton chiot. Aller jusque-là, hein, les cours de maternelle, j'en offre aussi en privé. Donc, tu me rejoins dans quelques instants, je te mentionne comment faire. À la semaine prochaine! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Petite Charlotte, qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation. À qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmée, puis je me suis dit ah, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis quand, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment une bonne idée, parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie. Là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. T'as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Parce que la part des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup, justement, et facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner des informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin, depuis un certain temps, il n'y en avait pas beaucoup disponible en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, ben, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors, toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca / découverte. Bon accent!